Regardez! Là-bas! Ils reviennent! Perdez les issues! C'est ici que tout va se jouer. La Légion Humungus vous salue! Dans un monde sans carburant. Humungus règne sur les terres désolées! Je suis profondément déçu, vous avez voulu évacuer le carburant noir hors de mon territoire! Défendre le carburant! Non, on ne partira jamais! Donnez-moi la pompe, le stock d'essence et toute l'installation! Voici une terre qui attend l'arrivée d'un héros. Tu vois, si jamais quelqu'un peut entrer là-dedans, c'est bien toi. Voici Mad Max 2, le défi. Virtuose du volant comme toi, on n'en voit pas souvent. Le guerrier de la route. Je conduis comme un chef. Je tire mon chapeau, je possède le dernier intercepteur V8. Chaque jour, nous devenons plus faibles et il se renforce. Si vous voulez vous en aller, adressez-vous à moi. Pour aller chercher le camion, il me faut 20 litres de gasoil. D'accord, tu peux y aller. Toi, tu peux courir, mais pas te cacher. On va s'arracher d'ici ou se cracher. Je me suis trompé sur ton compte, excuse-moi. Quand chacun ne pense qu'à sa peau. Quand on ne peut plus fuir. Il ne reste plus qu'une dernière chance. Priez pour qu'il soit encore là, quelque part. Mad Max 2, le défi. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Toundra et aujourd'hui on se retrouve sur l'incroyable, le légendaire, voire même le survivant de l'apocalypse, voire même du post-apocalyptique. Il s'agit bel et bien de, pour ceux qui connaissent évidemment Mad Max, voici l'El Malefico. Mad Max sur Xbox One, mais rétrocompatible sur la Series X, donc il est compatible sur tous les supports de tous les jeux de la série X, enfin sur tous les consoles, je me répète, disponible sur la Xbox One, donc je le teste sur la Series X. Sur la Series X, et niveau FPS, on n'est pas trop bien rendu. Enfin, pas trop mal bien rendu, mais c'est un poil de cul à la chose. Alors que la PS5 ou la PS4 a plus de supériorité niveau FPS. Mais, quoique peut-être pas. Bref. Bon, après, vous verrez bien. Il s'agit bel et bien de Mad Max sur
tous les supports, donc sur PC, Xbox, Xbox One, PS4, et rétrocompatible sur la Series X, enfin sur la Series X, oui, et je le teste sur la Series X. Voici Mad Max, tiré un peu du film, mais attention, le film n'a rien à voir avec le jeu, et le jeu n'a rien à voir avec le film. Je précise, c'est un Mad Max qui est différent. Vous incarnez Max suite à une attaque féroce de la part de Crotus, donc qui est le vénérable Crotus qui vient plier, saccager le monde post-apocalyptique et qui laisse les esclaves ainsi que d'autres se fassent exterminer les uns après les autres. Mais Max, le survivant, le pilote et survivant et guerrier de la route, va atomiser tout ce qu'il trouve dans son passage. Et vous verrez que dans le film, celui que Mel Gibson l'a fait à l'époque, c'était différent que ce Mad Max-là. Alors que ce Mad Max-là est différent. Développé édité par Avalanche Studio, dont les créateurs de Just Cause, mais aussi, on retrouve également dans Avalanche Studio aussi, je crois ils ont fait un peu celui de Tomb Raider, je crois. Mais je suis pas certain que ce soit vraiment véritablement le Tomb Raider. Ensuite, édité par Warner Bros. Et oui, parce que Warner Bros. Ont déjà édité aussi Back 4 Blood, et je testerai très prochainement Back 4 Blood, car il ressemble comme deux gouttes d'eau à Left 4 Dead 1 et 2 de Valve Corporation. Mais bon, après, ce sont les anciens membres de Valve Corporation qui ont juste voulu faire leur sauce à Left 4 Dead, beaucoup plus différent que celui des Left 4 Dead habituellement. Alors pourquoi Mad Max? Parce que c'est un jeu qui a un mécanisme de fou, mais un mécanisme que tous les autres jeux n'ont pas. Que même Just Cause n'avait pas du tout ce genre de mécanisme, à part tout détruire. Mais Mad Max, ça se passe dans le pro-apocalyptique. Donc il faut jouer les survivalistes, voire même on va se faire aussi aider par un bossu qui va construire notre machine pour devenir le plus solide. Alors, pour ceux qui se rappellent ou qui ont fait le jeu de leur côté, sachez que nous n'avons absolument plus l'Interceptor. L'Interceptor qui était la voiture de base de Mad Max. Et que manque de bol, qui était un peu qui est évidemment, je crois, la Ford Falcon, si je m'abuse, qui est juste la voiture la plus vendue de l'Australie. Alors que tout le jeu se passe en Australie. Peut-être que je dis des bêtises, mais ça se passe vraiment en Australie, le truc. Bref, ce jeu, il est énorme. Mais on va le tester aujourd'hui. Allez, c'est parti. Oui, je me connecte, évidemment. Évidemment. Alors, il dispose d'un système de fichiers de sauvegarde automatisé. Donc, du coup, vous n'avez pas... Vous pouvez faire une nouvelle partie. Il n'y a pas de problème. Mais bon, moi, je le teste directement. On a une fonction multijoueur qui est le WP. Play, que je ne connais pas d'ailleurs. Et... Ah oui, mais attends, mais c'est Warner Bros. Qui ont mis ce système en place, en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est bien ce que je dis. Alors, on ne peut plus avoir accès parce que le serveur a fermé. Donc, du coup, c'est un peu con que le serveur est fermé. Voilà. Et du coup, ben voilà. Mais c'est pas très grave parce qu'il avait à l'époque ce mécanisme pour rendre et pour défier d'autres joueurs en ligne aussi. Mais, manque de bol, je dis bien qu'ils ont mis en place ce système pour mettre multijoueur. Voilà. Alors, utiliser les codes, donc à mon avis, ça doit être les codes triche. Mais ça, on va pas avoir besoin parce que j'ai déjà fait autant le jeu de mon côté. Merde. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, le magnétophone fonctionne. Ok, super, impeccable. Alors, voilà, donc c'est un jeu qui est incroyable. Franchement, bon, vu la gueule de Max, voilà,
le Caïd, enfin le Caïd, le pilote Caïd. Alors, voilà, putain. Je trouve qu'il est assez badass, Max. Là, ils l'ont vraiment bien fait. Alors, les commandes. Alors, RB pour faire une roulade. Pour dépasser MAD, c'est le stick analogique gauche. On peut utiliser des gadgets, comme par exemple BMD gauche pour allumer notre torche, parce que au début du jeu, nous allons acquérir une torche qui va certainement aider Max à éclairer les endroits les plus sombres. Ensuite, la gourde pour restaurer le système de santé de Max, que vous voyez bien en bas à droite, enfin pas à droite, mais vous avez l'indication de munitions et de couteaux, parce que Max peut pas lancer de couteaux, mais il peut poignarder les ennemis, pas en furtif, mais où on peut utiliser aussi l'arme pour faire en mode furtif, parce qu'on peut également tuer des ennemis en mode furtif sans se faire remarquer évidemment. Et vous avez un indicateur de niveau de votre fusil. Alors voilà, le canon scié, donc l'arme fétiche de Max, donc avec un réticule de visée. Voilà, donc vous avez le réticule de visée. Par contre, il est incroyablement lent, le réticule de visée. Mais ça, c'est bien. Alors, là, je suis sur LB. LB plus B pour tirer. Voilà, donc là, je tire. Mais, attendez. Voilà. Ils ont mis en place un système de rechargement automatisé, alors qu'on pouvait ne pas se recharger manuellement. Alors, par contre, ils ont juste mis un système de recharge automatisé. Tu n'as plus la possibilité de recharger manuellement. Alors peut-être que ça existe, mais ça je ne sais pas. Alors Y, ça sert pour parer en mode attaque, et X pour attaquer au corps à corps, B pour tirer évidemment, et A pour la touche d'action. Alors, en cliquant sur le stick analogique, on voit notre statistique. Éliminer la légion de Crobut. Enfin, c'est plus... Scorbut. Ouais, c'est plus Scorbut. Pourquoi je dis Scorbut? Scorbut, enfin, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Scorbut, bon ok, c'est Scorbut, voilà. Ok. Alors, Max peut sauter, mais par contre les sons sont mal branlés, parce que Max peut sauter, mais que peu, voilà. Donc c'est pas un super saut. Il peut sauter, mais alors ça me rappelle un peu le saut de Grand Theft Auto 4, mais... Et c'est incroyable, le saut, c'est mal branlé. Même ça, je me suis toujours dit que c'est mal branlé. Voilà. Alors, les BIOS sont en général comme dans Just Cause 2. Pour ceux qui ont fait la trilogie des Just Cause, on a Outilla, outils et armes, plus lieu, ennemis vautour, ennemis faucheuse mort, faucheux mort. Voilà. Scrotus, voilà. Donc, ennemis, c'est bel et bien Scrotus, alors que c'est pas la Légion. Bon. Peut-être que je m'explique un petit peu mal, mais bon, c'est pas très grave. Les personnages, alors, les personnages sont les personnages principaux. Ah oui, Scrotus, voilà, c'est bien ça, c'est bien Scrotus, voilà. Et micro Scrotus. Alors, Max. Max, on peut l'améliorer, comme par exemple, on a les statistiques, on peut améliorer les points de Max. La protection blouson de Max, donc au départ, il sera en vêtu de veste, comme par exemple comme ce qu'il avait dans le film. Et là, c'est pas du tout dans le film, mais là on aura évidemment ça dans le film, quoique lui il est vêtu d'une veste noire. Et ça, c'est la protection ultime. Par contre, on aura aussi des protections de poignet. Voilà, donc j'ai parlé de blouson.
Voilà. Ceinture de munitions, alors ça c'est très important parce que quand on améliore notre ceinture de munitions, on peut tout prendre. Inventaire de munitions, capacité de parade, donc du coup il pourra évidemment se protéger. À la différence mais des ennemis. Alors, par contre, on peut changer de look à max. Voilà. On peut le rendre un peu barbu, voire même barbu, bon, peu importe. Voire même en peinture, donc... Voilà, je préfère plutôt comme ça, c'est beaucoup plus mieux. Voilà. Ensuite, le fusil, avec canon scié. Donc, le fameux fusil à canon scié que Max avait pendant le début, bien avant le post-apocalyptique. Et du coup, il pourra viser avec le fusil. Les compétences, il peut liquider automatiquement un ennemi, voire même exploser la réserve d'essence, voire même je ne sais pas quoi. Mais je vous montrerai tout ça lors du test. Compétence. Alors, Max peut évidemment casser de l'ennemi si on complète toutes les compétences de Max. Et là, il sera quasiment imbattable sur tout. Outillage. Bon, on les a tous. Voilà, même moi, j'avais la baramine pour ouvrir et crocheter une serrure. Donc, ce qui est vraiment pratique d'ailleurs. Bon, je vous ai un peu tout montré. Et la voiture, bon, ben, c'est pas l'intercepteur, mais on la débloquera une fois terminé le jeu complet. Alors, le calandre, pour améliorer la défensive du pare-choc. Bladage, pour augmenter le bladage de notre véhicule. Voilà. Mais on peut aussi améliorer le moteur, que ce soit le V6 ou le V8. Ainsi que le pot mais d'échappement. Donc, ça aussi, on peut améliorer le pot mais d'échappement. Les pneumatiques, la suspension, le nitro, plus les jantes pour. Si en cas d'attaque, on peut crever pneumatiques, mais des ennemis, voire même pointe anti-abordage. Qui est d'ailleurs pratique, d'ailleurs, si un ennemi saute sur la bagnole, ben, paf, il se fait trucider directement. Le sniper, bon, ben, ça, c'est pratique aussi. Alors, le sniper, on peut en fabriquer. On peut en fabriquer. Enfin, alors, votre bossu peut fabriquer un fusil de précision et vous sert aussi pour liquider des ennemis au loin. Le harpon, qui est, je crois, la troisième arme du jeu, sert pour tirer avec le véhicule, mais aussi pour dégager le parti de protection du véhicule mais des ennemis. Ça, je vais vous le montrer. Après, on aura quelques harpons de feu, qui sera pratique d'ailleurs, mais qu'il faut faire les missions d'histoire, comme par exemple magie noire, harpon de feu basique, câble costaud, bon, peut-être pas des missions, mais juste... conditions, câble costaud, harpon de feu terrifiant, câble mouse, voire même pas de feu sans pas de fumée sans feu qui est dans la mission des terres désolées. Voilà, donc ça, ce sont les nombreuses conditions. Après, brûleurs latéraux, bon, on peut faire brûler. À condition de réduire la menace, allumer le gaz, chalumeau. Mm-hmm. Bon, ça doit être les conditions. Réparation. À condition de remplir les conditions. La carrosserie, on peut changer de carrosserie hein, dans ce jeu. Voilà. Comme par exemple, on peut avoir la carrosserie d'une bagnole sportive, voire même de la Mustang, un espèce de ressemblance avec la Ford Mustang.
Voilà, donc une espèce de ressemblance à la Falcon de Ford, qui est jolie d'ailleurs, que j'aime beaucoup d'ailleurs dans le jeu. Par contre, lui, il a une tronche d'une Ford de luxe, je pense, voilà. Et celui-là, qui est, à mon humble avis, c'est plus une espèce de mélange entre la Rolls-Royce, qui est Day de Rola. Je ne sais pas pourquoi ce qu'ils ont pris. Je ne sais pas pourquoi ce qu'ils ont mis ça, mais bon. C'est ridicule. Récupérer la carrosserie dans la région de Cadavanague. Ok, d'accord. Voilà, donc vous avez le statistique de votre véhicule. Bon, pour l'instant, je n'avais pas plus amélioré que ça parce que j'avais fait quelques missions. Alors ça, par contre, là, je l'avais vraiment amélioré, Max. Donc là, il est niveau de légende. Il est dans Nomade Béni à Guerrier de la route. Donc bientôt, très prochainement. Et là, dans des termes, mais désolé, ben, c'est tous les défis. Les combats de sol. Pour l'instant, je n'ai pas tous fait. Ensuite, combat de véhicule est terminé. Voilà, ce sont des défis, je crois. Voilà. Les capacités, alors, longévité, Max dispose de plus de points de santé et peut encaisser plus de dégâts. Jugement. Pour faire monter. Alors, ça, c'est pour faire monter le jugement de légende à Max. Volontaire, volonté, récupérer plus de ferraille dans les bulletins, d'accord? Et synonyme, inflige plus de dégâts avec une arme de corps à corps. Bon, ça, ok, d'accord. Munitions, Max peut récupérer beaucoup plus de munitions sur les bulletins, d'accord? Métabolisme. Alors, métabolisme, c'est pour récupérer plus de santé avec la nourriture. Quintessence pour que Max puisse récupérer plus d'eau de source, il faut qu'il remplisse la gourde. Bon, ça, je vais vous montrer. Adaptation, donc Max peut consommer moins de carburant aux commandes des véhicules. Donc, du coup, il pourra consommer moins de véhicules. Captage. Captage. C'est quand Max reste plus longtemps en mode furie. Et intuition, c'est quand Max peut utiliser plus longtemps une arme de corps à corps avant qu'elle ne se brise. Donc c'est la longue durée d'une arme de corps à corps. Voilà. J'espère que je vous ai un petit peu tout montré. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Alors ensuite, éléments à récupérer. Donc les archères. Enfin, les archars sont les véhicules que votre mécano peut le développer. Peut développer. Comme par exemple, ange de vitesse, belle de guerre, reine du gravier ou encore la jacque. Voilà. Ensuite, collection, on peut collectionner tous les véhicules des ennemis. Voilà. Comme par exemple, défense d'or que j'ai récupéré. Par contre, elle m'a cassé les bonbons, mais ça, c'est dans les épreuves de course à la mort, qui était une véritable plaine, cette bagnole, je me rappelle encore. Certains véhicules sont maniables et d'autres qui ne sont pas du tout maniables. Alors ça, je me rappelle encore que celui-là, il m'a beaucoup fait énerver, mais que certains joueurs ont réussi et d'autres qui ont certainement pas réussi, voilà. Mais bon, moi, j'ai réussi quand même. Réplique de légende. Alors, Max peut récupérer quelques répliques de légende. Bien avant la post-apocalyptique. Par contre, là, j'ai ju juste baissé le son. Voilà. C'est mieux. When people truly became Alors. aware, it was too late. The end was upon us. Par exemple, ben, sa femme et sa fille. Donc, il y a des phases audio et dans le jeu, ce qui est vraiment excellent. Voilà. Mais franchement, voilà, le jeu est bien fait. Franchement, là, de la part de Avalanche Studio, c'est excellent. Alors, les journaux de mission,
n'est que poussière. Alors ça, c'est l'émission des terres, mais désolé. Par contre, on peut faire des rencontres. Pour l'instant, je les ai tous faits. Mais par contre, voilà, ça c'est bon. Voilà. Ça c'est fait. Bon, je vous ai un peu tout montré. Bon, après, ce sont quelques journaliers que là je vous montre actuellement. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'on peut utiliser notre jumelle, qu'on va certainement le récupérer au cours du jeu. Donc, la torche, pareil, au fil du jeu. Par contre, on peut pas utiliser. Alors, on peut utiliser pour faire appeler notre gars. Mais sauf que notre gars, il n'est pas disponible. En plus, là, il est de l'autre côté du pont. Donc là, je peux pas l'appeler. Donc je vais devoir me déplacer. Ah, ça, c'est une mission. C'est celui que je venais de faire, oui. C'est celui que je venais de faire. Par contre, je sais pas s'il y a une échelle par là. Je ne pense pas, non. C'est pas là. Par contre, la luminosité est un petit peu basse, je trouve. Ouais, j'imagine qu'on peut pas aller dans le trou, donc faut pas essayer, parce que sinon on perd et c'est le game over. Voilà. Bon, y a beaucoup d'interactions que Max peut faire, donc on peut évidemment transporter une jerrycan et sauter avec. Enfin, je dis bien pour qu'il puisse agripper. Et ça, c'est cool parce que Max a de nombreuses interactions que même d'autres jeux n'ont pas. Donc, on voit une icône qui est l'arme de mail. Voilà, donc ça va nous mettre un statistique, capacité de synonyme ou je ne sais quoi, de l'intuition. Bon, santé, ça va. On a quelques petites logos de légende qui nous indiquent que ça, c'est une arme de corps à corps. Et ça, c'est de la bouffe, mais... Mais c'est au cas où si Max se fait healer par un ennemi. Voilà, pour l'instant. Là, pour l'instant, là, je les ai tous à liquider. Hein. Par contre, il y a un truc que j'arrive pas. Attends, je sais pas si c'est dans les zones, si c'est à l'extérieur ou là. Je sais pas du tout. Alors, on peut faire un voyage instantané, donc c'est quand même cool. Voilà, donc là, j'ai aucun souci là-dessus. Voilà, aucun souci à dire. La carte, on peut la voir en grand. Donc là, c'est l'émission. Et l'émission secondaire, ben, c'est ça. Voilà, ce sont des quêtes secondaires. Qui est l'émission de terme, mais désolé. On est rendu à 24 minutes de vidéo. Sur la 24 minutes de vidéo sur le micro et je crois 25 ou 26 minutes sur l'audio. Enfin, pas sur l'audio, mais sur... la capture. Après voilà. Attendez 30 secondes. Voilà, donc du coup, après, dans divers niveaux et de la DA, je trouve que... Ah, tiens, on peut prendre le jerrycan, donc Max a de nombreuses interactions, ce qui est plutôt excellent d'ailleurs. C'est que dans d'autres jeux, qui n'ont pas le même système que ce jeu-là, il a quand même sur la côte... Ce jeu a quand même eu une sacrée côte, à l'époque, parce qu'il avait de nombreux mécanismes et de nombreuses interactions. Donc, par exemple, Max peut grimper une échelle avec le jerrycan, ce qui est quand même assez ouf, hein, que d'autres jeux ne font pas, d'ailleurs, et qu'ils ont tendance à lâcher, par exemple, le jerrycan
en même temps que quand il grimpe. Alors, c'est vrai que le mécanisme, parfois, c'est un peu dur pour le faire. Mais d'un autre côté, il fallait le faire. Et merci à ceux qui ont pensé, d'ailleurs. Voilà, donc du coup, là, je grimpe. Voilà, donc il n'y a pas de souci, je grimpe. Voilà. Alors là, par contre, je peux pas. Donc du coup, je suis obligé de utiliser... Ah, ben, je peux utiliser le jerrycan en utilisant la tyrolienne, d'accord. Hein, bien pensé ça, mec, bien pensé. On peut stocker le jerrycan. Ah non, d'accord. Ah mais j'en avais une autre en plus, un autre jerrycan en plus. Bon, qu'est-ce que je fais, hein. Bon, par contre, le mien, il est assez plein. Donc, du coup, c'est pas la peine que moi je prends l'autre, parce que je sais pas pourquoi je l'ai pris d'ailleurs. Mais non, mais je voulais le remettre. Oh là là. Merci. Mais non, mais... Remets-le, merci bien. Mais putain, mais c'est pas possible! Je suis à 5 mètres de la bagnole! Bon, attendez, je fais un truc là parce que je vais pas y arriver sinon, parce que franchement, entre la bagnole et le jerrycan, ça va pas le faire. Allez, je vais faire ça, voilà. C'est beaucoup plus clair, voilà. Alors, d'abord, il faut que je fasse le plein. Pour faire le plein, c'est très facile, vous avez un bouton. Vous avez de nombreuses interactions, que ce soit maintenir pour équiper le sniper, B pour lancer, ou X pour faire le plein. Je fais le plein du véhicule en appuyant sur la touche X, et voilà. Voilà. Donc là, c'est pas la peine, parce que là, le véhicule est plein. Donc là, du coup, voilà, c'est pas très grave, mais... Alors, pour utiliser... Un espèce de bombe à retardement, c'est très simple. Vous enflammez votre jerrycan, voilà, et vous le lancez. Ça fait une espèce de bombe. Bon, là, vous l'avez peut-être pas bien vu parce qu'il est tombé, mais par contre, il est pratique pour faire exploser quelques entrées, voire même quelques. Bah, vous le verrez. Ah, ça c'est un souterrain. Par contre, le gameplay de la bagnole, il est assez bien fait, assez bien branlé. Par contre, il est trop sombre, c'est pas possible. Mais comment se fait-il là? On peut mettre les phares ou pas là? C'est pas un endroit sûr. Alors d'accord, ok, c'est pas un endroit sûr, mais bon. On peut accélérer On peut accélérer et freiner, donc du coup il n'y a pas de souci. Donc en plus on a les feux arrière, d'un autre côté on a les feux arrière. Ah, ça c'est pratique. Alors, quand vous voyez ça, on peut crocheter la serrure. Voilà. Donc là, j'appuie en crochetant, je récupère la ferraille. Voilà, donc la ferraille c'est bon. Ensuite, il y a quoi d'autre encore? Mais je crois qu'il y a certainement une mission à faire. Peut-être pas une mission à faire, mais... ouais, c'est un peu à l'étroite, donc du coup, je peux pas passer. Donc du coup, je vais devoir finir à pied. C'est pas très grave. Donc voilà notre bossu qui va essayer de nous tenir compagnie. Et aussi qui va progresser avec nous au fil de l'aventure, voire même des missions, et voilà. Je crois qu'il y a ça qui est dans le terrain là. Attendez. Ah oui, attendez. J'ai peut-être une meilleure idée. On va l'appeler. Je ne vais pas pouvoir. Donc du coup, il ne pourra pas. Donc du coup, ok. J'ai compris. Bon, ben ça ferait finissons un peu à pied. Donc du coup, voilà. Alors. Là, je l'ai appelé pour qu'il me ramène la caisse ici, mais apparemment, c'est pas possible. Donc, du coup, on est à l'autre bout. Donc là,
Parfois, vous ne pouvez pas avoir accès à votre véhicule parce que ben, le gars en question est bloqué de l'autre côté d'un cul-de-sac, voire même, après cela dépend de l'action. Mais mine de rien, je trouve que la DA est assez mieux travaillée parce que franchement, de base, Mad Max devait être un jeu de survie. Et mine de rien, ils l'ont bien travaillé, bien ficelé, bien travaillé. La DA est un peu plus travaillée parce que c'est en plus de cela, c'est un jeu de 2015. Hein, donc c'est quand même un jeu de 2015, donc du coup, il a quand même une cote de popularité assez... assez intéressant. Par contre, il y a une échelle de l'autre côté. Alors, est-ce que je peux passer de l'autre côté? Je pense pas. Mais on va peut-être bien le savoir. Bon, on va bien le savoir. Alors, ça, c'est la sortie, mais je crois que c'est de l'autre côté. Alors, quand vous voyez cela, quand vous voyez ça, c'est une décharge. Une décharge, c'est quoi? Ben, une décharge, ça enferme plus mais des objets utiles comme par exemple la ferraille, les munitions, la nourriture, des événements de projet ou des répliques, etc., etc. Qui peuvent... Alors, les projets servent à améliorer votre forteresse. Il y a, je crois, si j'ai pas de bêtises, il y a quand même 5 forteresses ou 4 forteresses. Je m'abuse, mais 4 forteresses. Vous avez la faction Jet, la faction Gus Cash, et la faction Pink Eyes. Et ensuite, le Deep Ferraille. Ah merde, j'arrive pas à bien prononcer. Fria. Deep Fria. Voilà, Deep Fria. Et ensuite, Pedroville. Pedroville, c'est la ville, c'est pas la ville fictive, mais c'est la ville, je crois, qui est d'originaire de Max, d'ailleurs, si je m'abuse. Après, peut-être que c'est pas du tout ça. Mais il est quand même intéressant de faire le jeu. Ah putain, le café est froid, perc. C'est dégoûtant. Un café froid, c'est dégueulasse. Et c'est de ma faute parce que j'aurais pas dû le laisser autant froid. C'est répugnant. Vachement, mais répugnant. Bon, bref. Ok, bon, on est rendu à quand même à 34 minutes. Alors, peut-être qu'on va peut-être avancer un peu plus loin sur le jeu, d'ailleurs. Il y a une échelle. Ah, bien. Ce que je voulais faire au départ. Voilà, c'était visiter cette décharge et après on peut y aller. Bon, par contre, ce sera un jeu qui sera un peu. Alors, cette vidéo sera un petit peu plus longue parce que j'avais envie de vous faire ce vidéo test qui est Mad Max, qui est un jeu incroyable que même moi je trouve vraiment attachant, mais voire même excellent. Et que j'aime bien ce jeu, il est excellent. Que j'ai trouvé même excellent à mon rythme. Ah, attendez, je vais couper ça parce que ça sert à rien de les allumer pendant le fil du temps. Alors, attendez. Voilà, exactement ce que je voulais faire. Voilà, donc, du coup, on ramasse ça. Mes décharges explorées à 100%, donc bah, c'était tout en fait. Bon, il n'y a rien de concluant. Alors, il y a une mine. On va éviter les mines par contre. Bon, je trouve qu'on a bien avancé, hein, donc on va plutôt faire la faction. La grande larme. Non, attends, pourquoi je dis ça? Attends. La grande lame. Oui, la grande lame plutôt. Allez, ça c'est bon. Alors, les courses de mort. Alors, courses à la mort, c'est des courses où il faut arriver le premier. Sinon, ben, la course de la mort, ça. Voilà. Alors, Griffa. Pour échanger mes jetons pour augmenter les capacités de Max. Donc du coup vous l'aurez vu. Alors on aura quelques factions, donc le camp de Scorch
plus qu'en but, qui est une sorte de légion, qui est une faction, je crois. Les épouvantails, ben, il faut les péter pour dédiminuer la zone influence du niveau de Scrobus. Par contre, les snipers, ben, ils sont là. Scrotus a positionné tous les snipers de la Terre, mais désolé, pour nous tuer. Mais heureusement que moi, j'ai amélioré bien avant ma capacité et ma capacité, voire même renforcer mon blindage de max. Ainsi que le véhicule, d'ailleurs. Ensuite, le poste d'observation, comme dans tous les jeux qu'il y a dans les postes d'observation, que ce soit Assassin's Creed, que ce soit dans d'autres jeux, il y a toujours des postes d'observation. Dans divers open world, dans chaque jeu d'open world, parce qu'on peut avoir, comme par exemple dans Breath of the Wild, mais de Zelda, on peut avoir une monde ouverte, un monde complètement ouvert. Et Mad Max a quand même un monde ouvert. Just Cause a quand même eu un monde ouvert. Dans divers jeux, vous ne trouverez pas plus meilleur d'avoir un poste d'observation pour regarder tout l'ensemble de la zone. Et vous débloquerez divers endroits pour avancer dans le jeu. Ce qui est normal dans tous les jeux d'open world. Alors, par contre, ça, c'est rencontre de légende. Détruire toutes les tanières de vos tours dans le désert blanc pour réduire le nombre de leurs attaques. Oui, tout à fait vrai. Ensuite, on a les rencontres, bulletins, parler aux vagabonds et aider-le à accomplir une tâche. Bon, ça, c'est une quête secondaire. Ensuite, une petite quête annexe à 2 balles. Mais quête secondaire, c'est plutôt ça. Voilà, terme, mais désolé. Ensuite, on a quoi ? Re-rencontre, utiliser le tremplin pour effectuer un saut épique. Mais ça, c'est avec le véhicule. Et là, on a notre véhicule. Hein. Voilà. Et la zone que j'ai pratiquement tout fait. Donc, vous voyez que dès que c'est vert, un peu ouais, gris, c'est que la zone est en sûreté. Donc, du coup, la zone peut être contrôlée. Voilà. Par les Jets de Jet, qui est nos alliés. Voilà. Ensuite, pareil, donc pour l'instant c'est rouge, donc là la zone est hostile. Donc du coup on pourra pas traverser. Enfin on peut traverser, mais à côté des conditions qu'il y ait plus d'ennemis qui nous pop. Hein. Par contre, cet endroit-là est très sûr, donc j'ai pratiquement presque tout fini. Il me reste certains endroits où il y a des mines et qu'il faut tous les faire et les défaire. Une fois que tu les as tous faits, tu les as fait à 100%. Et là, la zone est en sûreté. Et là, tu pourrais certainement te dire que tu les as tous faits à 100%. Donc, la preuve. Voilà. Tout est fait. Par contre, lui, il me reste encore des mines à chercher. Et l'autre, pareil, mine à chercher. Mais ce qui est quand même intéressant sur ce jeu, c'est qu'il est diablement ouvert. C'est un open world. Donc, vous pouvez tout faire avec un jeu d'open world. Il y a beaucoup de choses à faire, mais dans ce jeu, beaucoup de choses à faire. Voilà. Même si j'ai pas tout avancé, mais il reste quand même un excellent jeu. Voilà. Bon, après, je le fais de mon côté, mais après, voilà. Mais c'est un excellent jeu que j'ai toujours voulu faire sur la Xbox One, et je l'ai fait. Voilà. Alors, c'est parti. Allez, hop, voyage instantané, et on est parti. Je vais vous montrer comment peut-on affronter les ennemis. Affronter les ennemis, je vous montre aussi comment on peut détecter une mine, et patati patatra, voilà, ce sera fait. Bref, de nombreuses interactions en fait, hein, que Max peut faire. Hein. Alors ça, c'est une mine, alors ça par contre, il faut que j'utilise le chien pour le faire. Et d'ailleurs, pour l'instant, tant que c'est pas en sûreté, mais pour l'instant, je ne peux rien faire. Quoique je peux aller déboîter un avant-poste. Voilà, donc du coup, quand vous voyez là, ça c'est un avant-poste. Par contre, niveau difficulté,
avec les éoliennes, ça va être un peu rude, mais c'est pas impossible. Pour moi, c'est pas impossible. Du coup, là, je suis assez renforcé. On peut finir les zones à 100%, à condition de tous les terminer. De tous les terminer à 100%. Donc voilà, donc le gameplay avec la bagnole, c'est assez fun à manier. Donc du coup, le véhicule se manie plutôt bien. Alors ça va dépendre de certains véhicules qui sont maniables ou d'autres pas trop maniables. Mais vous verrez qu'à ces quatre... Ah oui, alors ça c'est bien ça. Par contre, on peut dégommer des véhicules, voilà. Allez, une phase de combat. Bien. Putain, il balance une pierre, ce con. Voilà, très bien. Alors, si vous voyez un espèce de crash mob qui s'affiche au-dessus de vous, c'est qu'il faut appuyer sur un bouton pour esquiver. Alors, Sleeping Dog a fait exactement pareil. Putain, bande enfoiré, là. Alors, pour attaquer avec le véhicule, il faut appuyer sur la touche X ou le percuter. Ah putain, je me fais déglinguer. Allez, hop, je vais déglinguer à coup d'harpon. Alors, là, quand vous voyez le chiffre 1, c'est parce qu'il a augmenté son bladage. Voilà. Et là, j'ai détruit son bladage. Putain, ce con. Voilà, donc du coup, là, j'ai bientôt enflammé mon véhicule, c'est bien. Ah, c'est bon. Par contre, faudrait peut-être améliorer le blindage du véhicule. Et là, je l'ai atomisé. Bon, je laisse le mécano réparer le véhicule. Et ce qui est pratique, d'ailleurs, avec le bossu, c'est qu'il peut avoir la capacité de réparer automatiquement le véhicule. Quand vous êtes immobilisé, évidemment. Mais par contre, si jamais on s'arrête et qu'on est à pied, il peut réparer à tout moment le véhicule. Donc là, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci à se faire. Et comme on a atomisé le véhicule, donc du coup, il va pouvoir nous réparer notre véhicule. Voilà, donc du coup, vous voyez la barre à votre droite en bas, à côté du flingue, eh bien, il répare le véhicule. Et à côté, on a la jauge de notre véhicule. Donc, du coup, si jamais le véhicule s'endommage, eh ben on a la jauge de santé de notre véhicule. Et si jamais ce dernier s'enflamme et qu'on est presque à la moitié, voire même, je dis bien, si jamais le véhicule s'enflamme, il faut s'arrêter. Par contre, le problème, c'est que la caméra a tendance à nous envoyer... Mais comme on s'en sert aussi de la caméra pour attaquer... Alors, par contre, il y a des bladages. Là, je peux rien faire de plus. Alors, avec le flingue... Merde, je me fais allumer. Soit on démolit la protection, ou soit on fait... Merde. Voilà, avec le fusil, ce qui est pratique, c'est qu'on peut faire un trou, voire même
Et hop là! Dès qu'on a une ouverture et qu'on a la cible... Ah bah tiens, j'ai gagné un succès. Guerrier de la route. Super. Voilà. Atteignez le rang légendaire guerrier de la route. Eh ben voilà, c'est fait. Bon, ensuite, ce que je voulais revenir, oui, lorsque vous avez une ouverture pour tirer, je dis bien tirer sur le réservoir derrière, à l'extérieur, à l'arrière du véhicule, vous pouvez l'atomiser. Et le véhicule se détruit automatiquement. Vous avez qu'à tirer sur le réservoir qui est derrière. Et hop, voilà. La preuve. Alors hop, je ramasse la ferraille. Par contre, une fois que vous avez amélioré aussi votre forteresse, vous pouvez également demander à une équipe de ramasser de la ferraille pour vous. Mais ça, quand vous l'améliorez, évidemment. Quand vous aurez amélioré votre forteresse. Hein. Parce que ce qui est dans le cas dans Mad Max... ce qui est dans le cas, c'est qu'on peut également se faire mais ramasser automatiquement de la ferraille quand vous avez amélioré votre forteresse. Si vous n'avez pas amélioré votre forteresse, là, pour l'instant, vous n'avez qu'à récupérer de la ferraille, mais manuellement. Voilà, donc... Par contre, ils ont bien travaillé sur les jets de flammes. Hein. En tout cas, c'est assez fou parce qu'ils ont travaillé sur les effets des flammes. Ah, je viens de me faire healer et là, j'ai perdu une petite ratio de mon système de santé, d'ailleurs. Mais ça, c'est pas grave parce qu'on peut... alors, quand vous voyez une espèce d'eau, enfin, une espèce de goutte qui s'affiche là, c'est qu'on a une source d'eau à proximité de la zone. Ce qui est assez flagrant. Oh là, oh là, oh là. Oh putain, oh putain. Bon, il n'y a personne, tant mieux. Donc là, j'en profite pour me refaire le plein de... Voilà. Ah merde. Putain, t'as une zone... T'as deux points rouges qui indiquent que l'ennemi se situe à l'extérieur. Enfin, qui est à proximité. Alors, pour remplir la gourde d'eau, bon, comme vous l'avez pu voir... J'ai maintenu la touche A et du coup voilà. Donc là, Max peut re-remplir sa gourde automatiquement sans problème. T'as aucun bouton pour straffer ou je ne sais quoi. Non, il remplit simplement une gourde d'eau. Comme nous, on a l'habitude de remplir notre gourde aussi quand on a besoin d'eau, évidemment. Ce qui est logique d'ailleurs. Mais par contre, et c'est pratique quand vous êtes dans une zone désertique. Hein, parce que par contre la route, oh la vache, il y a énormément de désert. Et par contre, tu vois à peu près la route en fait. Ça qui est vraiment ouf avec ce jeu, c'est que tu peux voir la route, mais tu vois un petit chemin. Oh putain vache, on détruit. Ah ça c'est, alors par contre ça c'est un truc de saloperie. Par contre, espèce de... Oh putain, vache. Oh putain! Aplati! It's gonna get pretty. Attends, je vais avoir ce fumier là. Ah! Par contre, il est trop loin. Alors, par contre, je vais utiliser une méthode. Voilà, donc, mode de sniper. On peut tirer avec... Alors, pour viser, quand on est en position sniper, par contre, on peut faire avancer le véhicule quand le bossu peut avancer. Par contre, on peut... utiliser la touche de commande et le bossu il nous fait avancer. On freine, on recule, on avance.
Donc, putain, même en position de tir, on peut faire avancer quand même le véhicule. Alors, par contre, Max, il peut viser avec le fusil de précision. Tu vises, tu tires. Et tu zooms ou tu dézooms. Par contre, on va devoir quitter le véhicule, enfin, quitter la position de tir. Mais, oh mais, comment ça se fait qu'il y a... Voilà, défense du périmètre éliminée. Donc du coup, je peux y aller sans problème. Et voilà. Mais c'est quoi ce bug? Vous avez vu ça? Un bug qui est sorti de nulle part une fois qu'on a pété ce putain de portillon, et la voiture s'emporte à l'opposé de la zone. Mais c'est complètement... Mais c'est du n'importe quoi, ce putain de bug. Ça me rappelle exactement à peu près dans Saint-Ro. Putain, c'est surréaliste. Ah, putain. Pareil, dans l'interaction où on re-remplit notre gourdasse, et ben on peut... Par contre... Alors, tiens, je vais faire ça, d'ailleurs. Soit on défonce, soit on explose. Et ben j'explose. Voilà, c'est fait. En plus, j'ai pas beaucoup de réservoirs sur le jerrycan. Ah, voilà qui est intéressant. Hop, on frappe. On peut soit frapper mais légèrement, soit frapper. Putain, cette espèce de camp. Amène ton cul, connard. D'accord. Ah oui, super, l'interaction. Oh, les atomise, cette espèce de kamikaze. Voilà. Qui d'autre? Allez, au suivant. Putain, ça, c'est pas de Elder Scroll, quand même, mine de rien. C'est pas du Skyrim. Hein. Là, Skyrim n'a qu'à bien se tenir. Hein. Putain, la vache. Allez, amène ton cul, connard. Hop là. Et c'est super pratique. Ce système de combat est vraiment excellent. Non seulement il est simple, mais non seulement on n'a aucun souci avec les contrôles de combat. Tu peux soit frapper légèrement, soit tu peux frapper avec... Soit tu peux lancer une lourde attaque, corps à corps, ou le poignarder avec un serin. No problemo, voire même des tirs au ventre. Max fait tout. Il fait tout. Tu n'as aucun problème du maniement d'attaque. Max peut tout faire. Il peut parer une attaque quand le crash mob se met en route et il attaque automatiquement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça, pour un jeu comme ça, moi je dis bravo. Parce qu'il faut vraiment le faire. Et un jeu comme ça, il faut le faire. Et parce que moi je dis, c'est pas possible de faire un jeu comme ça. C'est pas possible. Il faut de la persévérance. Il faut que le jeu soit... Bon, par contre, là, je me suis fait atomiser sévèrement. Bon, après, c'est pas très grave, mais Max se protège. Voilà, on remplit notre gourde. Donc, voilà. Donc, quand vous voyez l'icône de la petite goutte... De la petite goutte... Max peut remplir sa gourde. Voilà. Donc, vous l'avez bien vu, hein. Voilà. Donc il n'y a aucun souci. Donc on peut régénérer automatiquement notre santé lorsqu'on boit de l'eau. Ah putain, encore. Bon, par contre lui
Ça, c'est un abouilleur. Lui, il peut faire alerter le reste du monde. Il n'y a pas de problème. Une fois que le abouilleur est mort. Voilà, une interaction pour utiliser le serin. Max peut déglinguer et exécuter une attaque. Et merde, je me fais atomiser. Voilà. Et hop, il est mort. Voilà. Franchement, ce jeu, il est énorme. Je m'attends à voir, je sais pas moi, je m'attends à ce qu'il ait une série dédiée à Max. Enfin, je sais pas, une série de Mad Max qui est sur Netflix, ce serait pas plus mal, mais apparemment, je ne sais pas si ce sont vraiment mes décidés à faire une série, mais c'est complètement con parce qu'il devait avoir une série, quoi. Mais je m'attends vraiment à ce qu'ils peuvent faire une série sur Mad Max, et pourquoi ils l'ont pas fait? Bonne question, on ne sait pas. Ok que le film, a eu un succès inouït, il n'y a pas de problème, mais sans déconner, ils peuvent faire une série Netflix sur Mad Max. C'est pas possible. Un film qui se passerait bien avant l'apocalyptique et aujourd'hui dans l'apocalyptique. Ça peut être pas mal. Après, moi je vois plus vraiment mais l'évolution de Max quoi. Dans chaque saison. Ça peut être pas mal, mais apparemment, il n'y a pas eu plus d'idées en fait. Je m'attends à ce qu'il y ait une série Netflix sur Mad Max, par exemple. Mais apparemment, c'est pas le projet. C'est complètement dommage en fait. C'est complètement dommage. Mais bon. Après, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, après, bon, bref. On va juste... Mais pourquoi je lâche l'arme? Merde. Alors, ok, donc on peut lâcher l'arme ou attaquer avec. Il n'y a pas de souci. Max peut tout faire. Peut tout faire. Comme je l'ai dit, Max peut tout faire. Alors. Par contre, la vidéo va être un peu longue. Donc du coup, on va récupérer un peu près tout dans ces niveaux. Les répliques, voilà. Les répliques de légende. Ah! Alors, le réseau est en panne, bébé. Je t'envoie cette lettre en espérant que ça marche encore. C'est ce qui s'est passé devant notre porte hier soir. Des jeunes ont incendié une voiture de flics, mais des gens ont commencé à tirer, à lancer des pierres et tout reste dans la cabine. Je reviendrai dimanche. C'est trop dangereux. Voilà, donc du coup, ça c'était le passé, bien avant le post-apocalyptique. Voilà. Ah, super, on peut tirer. Voilà. Alors, ça c'est les emblèmes des méchants. On peut tirer sur les emblèmes des méchants sans problème. Donc du coup, quand il est accroché au-dessus, voire même au plafond, ben, on peut tirer. Ou s'il est à terre, ben, on peut le casser avec soit une arme de corps à corps ou soit avec le fusil de la crosse du fusil de Max. Après, c'est pas impossible de faire un jeu comme ça. Moi personnellement, voilà, je voulais avoir un jeu comme ça. Donc du coup, ben voilà, je suis servi. Et Mad Max, c'est un excellent épopée. Que je conseille à ceux, putain, on peut défoncer même les portillons, voilà, les petits portillons, pas les grands portillons, mais les petits portillons. Max a de nombreuses interactions et on peut tout faire avec Max. On peut tout faire avec un jeu comme ça. On peut améliorer notre véhicule, voire même le customiser pour le rendre beaucoup plus fort. Et voilà. Mais c'est un jeu excellent que je vous conseille de l'acheter. Alors, ça m'a coûté quand même 10 euros. Ce jeu-là, il y a quand même de la cote. Donc, pour ceux qui veulent vraiment le faire, bah, allez-y, parce qu'il est vraiment excellent. Voilà. Donc, on va arriver à la tour du méchant.
va peut-être s'arrêter là après. On va peut-être s'arrêter une fois qu'on a battu le méchant. Et voilà. Mais sinon, bah, c'est pas un mauvais jeu. C'est un excellent jeu. Oh, bien! Ah merde, j'ai bien de péter mon flingue. Voilà. Et une prise pour en finir. Voilà. Putain, excellent. Max peut remplir sa jauge de furie à tout moment. Et ça, franchement, c'est pas possible. Hop, on ramasse la ferraille, on dégomme mais les signes, enfin les emblèmes des méchants. Sans problème, il n'y a pas de problème. Voilà. Ah, excellent. Merde. Pourquoi j'ai appuyé? Moi, je voulais enfoncer. Voilà. Enfin, le maintenir plutôt. Ok, super. Alors, attends. Je crois que j'ai peut-être oublié un autre emblème, mais je sais pas où est-ce qu'il se situe en fait. Soit il doit être au-dessus, je ne sais pas, mais apparemment j'ai peut-être pas tout récupéré. Je sais pas. Peut-être qu'il me manque quelque chose. Il doit être pas là. Soit il doit être au-dessus au dernier étage quand on a le méchant Afro Jojo, mais je sais pas. Je sais pas du tout en fait. Alors ça on a ouvert, c'est bon. Quoi, peut-être qu'on n'a pas ouvert, je sais pas. Ah, peut-être, je sais pas si on a... Je rappelle même plus ce que j'ai fait, donc là je suis même pas capable de savoir ce que j'ai fait après. Voilà. Bon. Ah, la reine du méchant. Pollueur. Et à nos morts. Voilà, on va se laisser là. Et c'est parti. Le premier boss du jeu. C'est quoi? Comment il s'appelle? Gueule de Fion. Gueule de Fion. Gueule de Fion. Gueule de Fion. Ils sont pas sérieux, les développeurs. Ils sont pas sérieux. Ils ont mis Gueule de Fion. Le cahier de Gueule de Fion. Chef de la grande lame. Et un spécimen rare. Il est accro. Ou soulevant. Au soulevant. Notamment les bombes de peinture. Et doit son surnom à la trace colorée du masque à sniffer. Sniffer. Sniffer, comme ça, qui entoure sa bouche, défonce en permanence, il ne ressent pratiquement pas la douleur. Un coup de masque et en avant le délire. Tu m'étonnes, connard, hein. Tu m'étonnes que tu t'appelles Gueule de Fion. Allez, bah ça me rappelle un peu Elden Ring, mine de rien. Hop là! Et voilà, c'est fait. Bon, ça va, les boss sont pas tellement durs, mais ça va. Tue le caïd. Voilà. Bon, j'ai pas tout fini, mais voilà, je ferai de mon côté. Voilà. Voilà, les gars. Achèvement 85%. Ben, c'est pas grave, je finirai de mon côté. Bon. Mad Max sur Xbox One. Excellent jeu. Il est sur tous les supports. Pratiquement. Uniquement sur les précédents. Sur les précédents consoles, que ce soit sur la Xbox One ou sur PS4, mais il est accessible
quand on l'achète en version améliorée, enfin la PS4 beaucoup plus améliorée niveau graphisme. Mais bon, après j'ai jamais confiance avec cette version. Enfin, je sais pas pourquoi ce qu'ils ont fait ça Sony, mais pour avoir la meilleure haute définition pour la PS4. Mais bon, je sais pas pourquoi ce que t'en as un qui fait une vidéo comme Mad Max haute qualité, je ne sais quoi. Bon bref, vous m'avez compris. Bref, bon là je l'ai testé sur la Xbox One, soit Xbox Series X, pardon, soit Xbox Series X, et franchement il fonctionne plutôt bien. Voilà. Rétrocompatible au Series X avec succès. Mais ce n'est pas le cas pour la Xbox One qui n'a pas malheureusement. Qui a les jeux rétrocompatibles, mais ça dépend de d'autres jeux. Soit la Xbox 360 ou sur Xbox One. Enfin ou sur Xbox première du nom. C'est dommage parce que je m'attendais à ce que tous les jeux soient rétrocompatibles, que ce soit sur la première Xbox ou sur la 360 de la Xbox One, mais non. Et pareil pour la Series X, c'est à peu près le même problème, mais par contre, tous les jeux de la Xbox One fonctionnent. Excepté Mad Max, qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Voilà les gars. Disponible sur tous les supports, sur PC, sur PC, sur PS4 ou sur Xbox One, c'est bon. Même sur la Series X, il fonctionne. Par contre, sur PS5, je ne sais pas. Après, pour ceux qui l'ont sur la PS4, ben, essayez-le s'il est rétrocompatible sur la PS5. Mais vous verrez bien. Après, je ne sais pas. Bref, excellent jeu. Pour moi, il a l'une des meilleurs jeux de Open World. Et parce qu'il a une excellente DA. Malgré que ça soit de 2015, parce que c'est un jeu de 2015, faut pas oublier. Après, je dis pas le contraire, mais c'est un bon jeu de 2015 qui a pas franchement trop vieilli pour un jeu de 7 ans, pour un jeu de 7 piges, qui a toujours la cote, mine de rien. Et je le ferai tout de mon côté. Voilà. Et parce que c'est un excellent bon jeu. Voilà. Voilà quoi. Excellent jeu. Ça mérite d'avoir une série de Mad Max sur Netflix. Mais c'est pas possible qu'il y ait une série de Mad Max sur Netflix. Hein. Je suis certain qu'on peut faire une série de Mad Max. Il n'est pas possible que tu commences par la première saison. Enfin, pour tout ce qui s'est passé avant que Max devienne lui-même. Aujourd'hui même, dans un monde apocalyptique, ce n'est pas possible de relier à son passé et à ce qu'il a fait au passé, comme dans le film. Voilà. Je pense qu'il peut faire ça. Mais vraiment, il faut avoir des bonnes idées. Hein. Voilà. La DA est excellente. La jouabilité, que ce soit Max... Ou encore, quand Max conduit un véhicule, bref, il peut tout faire. Gros nombre d'interactions que Max peut faire, peut tout faire. Il peut frapper, remplir le réservoir de d'essence du véhicule, bref, il peut tout faire. C'est un jeu qui est génial. Voilà. Alors que les autres jeux ne font pas la même chose que Mad Max. Alors, le défaut que je peux lui rapporter à Max, c'est que parfois, quand on a... Un petit peu de problématique avec FPS.